de mécanismes qui sont sur place. Et nous attendons, je réitère l'appel du président Tshisekedi à la tribune des Nations Unies, je réitère ça au Conseil de sécurité, toute personne qui a des informations, même à une radio, on a entendu tel leader de FDLR a parlé à partir du Congo, nous sommes à sa disposition. Il a parlé ici minorité ethnique, nettoyage ethnique, génocide. Moi, j'ai l'impression que peut-être, monsieur l'ambassadeur, s'est trompé de pays. Nous, on ne connaît pas ça au Congo, minorité ethnique. Le terme génocide au Congo, nous l'avons appris que ça existe, même chez nous, les adultes, qu'à partir de 1994, ce sont les Rwandais qui ont tué en génocide le Rwandais. Aucun Congolais n'a été associé, ni de près, ni de loin, à cette abominable opération, à cette ignominie qui a humilié l'humanité tout entière. Bien au contraire, tout entière plutôt. Nous, la RDC, nous avons subi le contre-coup du génocide. Notre population en souffre depuis 23 ans. À l'époque, nous voulions refouler les fugitifs rwandais. C'est d'ici de New York, ici, qu'on nous a dit non, il faut respecter la Convention de Genève de 1951. D'autres pays africains ont refusé. Nous, on a dit bon, on obéit aux Nations Unies. C'est nous qui payons aujourd'hui les lourds tributs de ces histoires de génocide. Si nous, on ne connaît pas ça. C'est une recette qui ne paye plus. Et la communauté internationale a dénoncé cette exploitation tout à fait cynique, cette exploitation éhontée d'un acte humiliant pour l'humanité, cette exploitation à laquelle on se livre de l'autre côté de nos frères, systématiquement. Ça n'a rien à faire avec nous. Le résultat que l'on cherche actuellement, c'est celui-là. Provoquer ce type de choses. Vous voyez ce que nous vous avons dit, mais ça n'arrivera jamais. Le président Tshisekedi a prêté serment, l'a dit ici aux Nations Unies. Chez nous, il n'y aura jamais ni épuration ethnique, ni quoi que ce soit. Nous prenons une disposition pour qu'on ne nous exporte pas ça. Voilà la précision que je voulais donner.